Good morning to all of you. Well, it's obviously a pleasure to welcome you for the conference Calling the Shots, Sport and the European Green Evolution. I'm Anne-Laure Bonnet. I'll be your moderator for the 2 days of this conference. We are very lucky. It's an honor to welcome the French Minister of Sport, Mrs. Roxana Maracineanu. We will both speak in French for this section. So if you want to change the channel, the sound channel, you can do it now. Madame la ministre, bonjour. Merci d'être avec nous pour ouvrir cette conférence. Est-ce qu'on peut directement commencer en vous demandant des nouvelles de la France? Comment la France s'est-elle jusqu'à présent approprié cette thématique du sport vert et quelles actions ont été apportées en ce sens? Merci Anne-Laure, merci pour cette question. Vous m'entendez bien tout le monde? C'est bon? Bien. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Merci pour cette invitation et je voulais tout d'abord saluer, parce que je ne sais pas qui est exactement présent, s'il y a des députés déjà parmi nous, je voulais les saluer, les directeurs d'ONG et des organisations sportives qui sont là. Monsieur Tarabella, bonjour. Nous nous sommes vus il y a quelques jours à Bruxelles. Bonjour, je suis ravie. Ainsi que les représentants de la Commission européenne. Donc bonjour à vous. Effectivement, la France s'est engagée dans une politique volontariste depuis les années 2000 pour accompagner l'écosystème sportif à réduire son impact sur l'environnement. D'abord, il s'agissait de réduire l'impact du sport sur les transports, sur l'alimentation, sur le matériel sportif, sur l'organisation des événements sportifs. En parallèle, bien sûr, c'est important de suivre aussi l'évolution de la politique autour de l'écologie que la France a déployée. C'est seulement en 2007 que la France a créé un ministère de l'écologie et du développement durable. Et seulement 10 ans après, donc depuis 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé à la tête de ce pays, que ce ministère est devenu le ministère de la transition écologique, ce qui illustre aussi la volonté d'avoir une politique interministérielle sur la question pour qu'on puisse chacun à notre niveau impulser des stratégies de développement durable. Alors aujourd'hui, dans ma politique au ministère des Sports, nous contribuons avec les deux fondamentaux sportifs qu'avec Jean-Michel Blanquer, nous portons dès l'âge de la maternelle, le savoir rouler à vélo, apprendre à rouler dès l'âge de 3-4 ans à vélo, ou encore la connaissance de l'environnement aquatique avec un programme qui s'appelle l'aisance aquatique que nous proposons dès 3-4 ans aux jeunes enfants de maternelle. Avec une particularité sur ces deux programmes, c'est que ces deux programmes, nous les incitons à prendre place et à avoir lieu dans les cours de récréation des écoles. Nous amenons des petits bassins que nous installons dans les cours de récréation, nous amenons les petits vélos, les draisiennes, dans la cour de récréation, ils y restent pendant un certain nombre de mois et ainsi les enfants peuvent passer sur ces apprentissages fondamentaux et en même temps, lorsqu'ils sont en classe, puisqu'ils y passent par petits groupes, quand ils sont en classe, c'est à ce moment-là qu'on envisage aussi tout l'apprentissage théorique autour du cycle de l'eau, autour des mobilités douces. Comme ça, c'est un meilleur moyen d'ancrer aussi bien sur le corps en apprenant les apprentissages sportifs, mais aussi bien dans la tête pour leur parler de ces thèmes-là. Alors évidemment, ça influe aussi sur l'impact carbone, puisque d'habitude, pour faire les apprentissages sportifs, comme en France, on n'a pas beaucoup d'équipements à disposition dans l'école. On est obligé de mettre les enfants dans le bus, de les emmener loin. Donc, il y a beaucoup d'impact carbone qui est déclenché à ce moment-là. Et là, avec ces nouvelles modalités d'apprentissage, en emmenant les équipements sur place auprès des enfants, nous réduisons aussi cet impact. Il y a eu, depuis les années 2000, une charte des 15 engagements éco-responsables. C'est un référentiel opérationnel que nous avons signé avec des organisateurs d'événements, des gestionnaires d'équipements, des fédérations. C'est un outil aussi d'auto-évaluation lorsqu'on met en place une compétition sportive. On se fixe des objectifs avec le ministère des Sports en termes d'impact environnemental. Et puis, on voit comment on arrive à les atteindre. C'est un document qui est signé entre le ministère et ses organisateurs qui conditionne aussi le financement que l'État peut apporter à l'organisation de ces événements. Et nous souhaitons développer
cette charte et profiter de la présidence française de l'Union européenne l'année prochaine, pendant les 6 premiers mois de l'année 2022, pour pouvoir valoriser cet outil, échanger sur les autres bonnes pratiques avec nos voisins européens et voir comment inciter les 27 finalement à s'engager de manière très ambitieuse sur ce thème, à l'image de ce que la France a commencé à faire, mais qu'elle ne fait évidemment pas encore parfaitement. En tant qu'ancienne athlète olympique qui a fait rêver des gens de ma génération, évidemment, et bien d'autres, et aujourd'hui ministre chargée des sports, quel regard portez-vous sur l'évolution de la prise en compte de ces enjeux entre ces différents moments de votre vie, entre votre vie d'athlète et votre vie aujourd'hui de ministre ? Alors moi, j'ai nagé dans les années 90-2000 et j'ai arrêté ma carrière de nageuse en 2004-2005. Dans les années 2000, on a vu l'apparition aussi de la natation en eau libre, en milieu naturel. Et c'est vrai qu'en étant sensible à la qualité de l'eau, mais vu qu'elle était chlorée dans les piscines, bon, elle était de toute façon bonne, entre guillemets, même si elle n'était pas excellente pour la santé, puisqu'il y a ce problème de chloramine quand on passe 6 heures dans l'eau qui ont un impact sur la santé non négligeable. Et justement, arriver à passer dans ma discipline en milieu naturel et puis en faire une discipline de compétition qui permet aussi de voir à la télé la possibilité et de montrer à la télévision la possibilité de nager en milieu naturel, en plus avec des résultats très bons pour la France, donc ça promeut encore plus cette discipline. Et puis aussi le fait de passer sur un autre type d'équipement que nous soutenons fortement avec des financements ministères, c'est-à-dire les bassins nordiques, c'est des bassins découverts où il y a moins de chloramine, où il a du coup besoin de traiter l'eau pas de la même manière que lorsque c'est couvert. Donc, ce sont aussi des équipements nautiques qu'on a cherché à encourager et sur lesquels moi j'ai beaucoup mis l'accent depuis que je suis ministre. Ça démontre aussi, je crois, une nécessité aujourd'hui et une volonté finalement de la part de la société civile, une vraie attente de pouvoir se reconnecter avec la nature quand on pratique du sport et de devoir faire attention à cette nature parce qu'on en a besoin pour pratiquer dans toutes les sortes de pratiques. Donc voilà, je pense que cette nature a compensé et a équilibré ce qui se passe malheureusement aussi dans la consommation, dans le consumérisme sportif, c'est-à-dire avoir besoin de tout essayer, d'avoir des engins motorisés pour aller sur l'eau, pour aller dans la nature. Et il va falloir, je crois, dans les prochaines années, repositionner nos ministères comme des ministères aussi régulateurs de cette pratique libre et de cette pratique individuelle, où de plus en plus de gens, notamment là pendant la crise sanitaire, auront découvert la possibilité d'aller courir en forêt, enfin la nécessité du coup d'aller plutôt pratiquer en individuel que de manière encadrée dans un équipement sportif ou dans un club. Je pense que ce sont des pratiques qui vont continuer à exister et à se développer, la pratique en plein air et dans l'espace public. Donc, c'est à nous, institutions ministérielles, mais aussi collectivités, à réfléchir à comment se partager cet espace public, parce qu'il y en aura aussi qui voudront essayer toutes sortes d'autres pratiques, à moteur, à trottinette, à vélo. Et puis, il y a des dangers, j'allais dire, inhérents pour les usagers qui vont exister, mais aussi pour la nature. Et je crois que, et pour les grands espaces naturels, et ce sera aussi des nouvelles missions qu'un ministère des Sports à l'avenir devra avoir à gérer, chose qu'il n'a pas aujourd'hui, puisqu'on a dans nos têtes des pratiques sportives dans un équipement sportif encadré par des éducateurs spécialisés, responsables et compétents. Mais la pratique change et il va falloir qu'on s'adapte à cette pratique et aux attentes des gens, d'où l'importance d'avoir une responsabilité partagée et une conscience, une prise de conscience aussi des pratiquants de l'importance qu'il y a à préserver l'environnement naturel pour pouvoir pratiquer en toute sécurité et dans cette notion de développement durable et de durabilité de l'environnement qui nous accueille quand on veut pratiquer du sport. Je vous entends plus. C'est peut-être moi qui avais fermé mon micro. C'est, je m'excuse pour ça.
c'est une grande responsabilité pour les gens qui pratiquent du sport, pour les gens qui font du sport. C'est aussi une grande responsabilité pour les responsables politiques. Quelle place voyez-vous pour la France dans ce mouvement européen vers un sport plus durable et plus écologique ? Le sport, pour moi, doit prendre toute sa place dans ces politiques environnementales qui sont liées au climat et notamment au Green Deal. Et on doit créer des liens entre la politique sportive et la politique climat-environnement. À notre niveau, au gouvernement, avec Barbara Pompili, nous le faisons au quotidien. C'est un trio entre Jean-Michel Blanquer sur la partie éducative, moi sur la partie pratique sportive et elle sur tout ce qu'elle peut nous préconiser. En matière d'éducation à l'environnement durable, mais aussi les moyens qu'elle peut déployer, elle, dans son ministère. Je pense notamment à une première qui a été signée là récemment avec le ministère de la Transition écologique sur ce qu'on appelle le C2E, les contrats d'économie d'énergie, qui ont permis aux entreprises aussi qui sont... Qui doivent verser une taxe qui concerne l'écologie, et bien que cette taxe puisse être reversée au ministère des Sports et à ses acteurs pour déployer le savoir rouler à vélo dans les écoles. Donc, vous voyez, c'est des synergies complémentaires et très vertueuses où on peut faire participer les entreprises qui s'acquittent de ce devoir de taxes qui concerne l'environnement et qui sont redéployées sur des actions éducatives que nos deux ministères mettent en place, celui de l'Éducation nationale et des Sports. Pour moi, le sport, c'est à la fois un outil pour se construire en tant qu'individu, d'abord dans son autonomie par rapport aux autres, par rapport à la nature aussi, mais aussi dans sa responsabilité individuelle et collective dans la société. Et c'est aussi un levier pour transformer l'impact environnemental de nos pratiques sportives, comme on le fait nous au travers de la charte ou au travers de ces apprentissages fondamentaux à l'école maternelle. Nous avons signé une déclaration commune de tous les ministres des Sports en mai 2018 pour une vision sportive de l'Union européenne à l'horizon des JOP de Paris en 2024. Et au travers de cette signature, nous voulons afficher l'objectif d'accélérer la transition écologique du sport en Europe avec la perspective des JOP à Paris. Et plusieurs pays se sont engagés, donc à démarrer par la France, qui démarrera par la présidence l'année prochaine, et puis derrière la République tchèque, qui enchaînera aussi sur, donc nous, ce sera effectivement ce sujet qu'on va porter à la PFUE, sport et développement durable, et la République tchèque qui enchaînera sur les équipements sportifs construits de manière durable dans chacun des pays, enfin chez eux et puis du coup dans chacun des pays, pour qu'on signe quelque chose en commun là-dessus, et la Suède qui suivra derrière aura aussi, et la ministre m'a déjà affirmé, à cœur de faire vivre une thématique autour de l'environnement et du sport. De toute façon, cette dimension environnementale du sport, c'est un des trois domaines prioritaires du plan de travail de l'Union européenne sur le sport dans la période 2021-2024. J'en ai discuté avec M. Tarabella il y a quelques jours à Bruxelles et au niveau des députés, eux aussi, ils sont très intéressés dans le rapport qu'ils vont déposer cette année auprès du Parlement qui concerne le sport, d'aborder cette thématique du sport vert. Donc, je crois qu'il y a une vraie synergie pour que l'Union européenne, les États membres, le Parlement européen en matière de sport puissent jouer un rôle moteur puissant pour qu'on puisse tous prendre en compte mieux et plus cette dynamique européenne qui se joue de manière plus générale autour de l'écologie et du développement durable. Voilà, donc moi je suis ravie que beaucoup d'associations, comme celles qui sont présentes aujourd'hui, des ONG, investissent ce sujet et prennent en considération la thématique sportive. Sur notre dernière année de mandat, nous voulons initier quelque chose au niveau fédéral également, pour voir comment créer et valoriser plus une filière verte au sein du sport en France. C'est en tout cas l'objectif que nous nous assignons avec les fédérations sur notre dernière année de mandat de ce quinquennat en tout cas, et que nous puissions beaucoup plus travailler main dans la main avec les associations, les ONG qui sont présentes aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci de rappeler que le sport, évidemment, doit être au cœur de notre société, pas seulement, comme vous l'avez dit, pour l'éducation, mais aussi pour nous permettre d'aller vers un sport plus vert et une vraie prise de conscience de ce besoin de prendre soin de la nature qui nous entoure. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Très belle journée à vous. Merci d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous.